Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de Bertrand. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril 2012. Voici tout de suite l'horaire de l'actualité. On va parler de l'Institut belge pour la sécurité routière. On parlera aussi sur les sites des îles de Paix. On parlera aussi de sondage. Bien sûr, Marsupilami, le film Marsupilami. On parlera encore de cinéma, les contes de fées, une horreur. On parlera de société, j'ai failli y passer, Stéphane, chauffeur de tech. Retour, les candidats poussés à bout dans Koh-Lanta. On parlera aussi de bilan de The Voice Belgique, qui sont les véritables gagnants. Et bien voici l'actualité. L'Institut belge pour la sécurité routière lance un concours dessin. Le site s'appelle Yo4Zero. Le but, c'est de dessiner la route de vos rêves idéales sans accident. Votre dessin sera en timbre pour 2013 si vous êtes les 5 gagnants. Allez sur le site des îles de Pays, il y a un très beau jeu dessus. Alors, sondage, à vous, avez-vous déjà été victime d'une arnaque sur Internet? Frédéric, qui habite à Herstal, dit non. Mais mon mari a déjà été contacté par de faux annonceurs qui lui ont demandé de l'argent via Western Union. Heureusement, il a refusé. Stéphane, qui habite à Palissol, dit oui, cela m'est malheureusement arrivé. Kirby Kuchen dit « Quand j'ai cherché un véhicule d'occasion sur le net, j'ai reçu des emails de gens qui, soi-disant, ne pouvaient pas me montrer la voiture. Ils me demandaient un virement, des arnaques, il y en a plein. » Et enfin, Fabienne, qui habite à Evere, dit « Non, pas encore. Je ne manipule pas parfaitement l'outil informatique. » Je me méfie quand même si je ne comprends pas. Sur www.cinetelerevue.be, les internautes, donc les gens, ont voté, ont répondu non à 74%. Allez sur le site là et vous pouvez répondre aux questions. Le Marsupilami. Alain Chabat et Jamel Debbouze ont attrapé le Marsupilami. Ce 4 avril sort sur les écrans la première adaptation au cinéma des aventures la plus géniale et loufoque création de Franquin. Un plaisir à ne pas manquer. Alors, le coup du lama cracheur, une référence à Hergé qui nous fait bien marrer. Alors on lui pose des questions. Alain Chabat sur la piste de Marsupilami est une réussite. Depuis quand portiez-vous le projet d'adapter les aventures du Marsupilami? Depuis mes 10 ans, dès que j'ai su lire, j'ai été fan des BD de Franquin. Le repère de ma murène, Z comme Zorbul, l'ombre de Z, étant mes livres de chevet, j'adorais le Marsupilami. J'en avais un en latex. Pour ce qui est d'en faire un long métrage, je pensais aux aventures de Spirou et Fantasio avant même de commencer à tourner Didier, mon premier film. J'ai parlé à Claude Berry, mon producteur à l'époque, qui m'a aiguillé sur Astérix. Décédé le 5 janvier 1997 à 73 ans, André Franquin est l'une de ces étoiles qui ont contribué à construire la gloire et le succès du 9e art. Comme je vous disais en titre, cinéma, les contes de fées, une horreur. Les temps sont durs et le public moins naïf, mais les contes de fées n'ont pas disparu du paysage cinématographique. Ils ont simplement muté comme un témoignage de ce Blanche-Neige revisité. Julia Robert, je ne m'attarde pas devant le miroir. C'est elle qui joue dans Blanche-Neige, elle fait la méchante reine. Quelle est votre relation avec le miroir? Je n'y m'attarde pas tant que ça, uniquement quand je me brosse les dents, et toutes celles qui ont des enfants savent de quoi je parle.
Je n'ai pas simplement pas le temps, mais je suis content de ce que j'y vois jusqu'à présent. Que pensez-vous de cette recherche de la beauté éternelle? C'est une obsession qui fait partie de notre culture et pas seulement dans l'industrie du cinéma. Elle doit être épuisante, mais je suppose que certaines personnes ont plus de temps que d'autres à y consacrer. Je n'ai pas encore atteint l'âge où cela m'inquiète, mais arrêtons d'en parler où je vais commencer à me sentir vieille. Société, Stéphane, chauffeur au tech, j'ai failli y passer. Insulté, méprisé, braqué, battu à coups de crosse, Stéphane Ruel ne compte plus les agressions qu'il a été victime. Depuis qu'il est conducteur au tech, c'est son quotidien, son épouse aussi conduit un bus tous les jours. Aujourd'hui, c'est pour elle qu'il a peur. Et Stéphane dit, les gens prennent les conducteurs pour leur souffle douleur. Que s'est-il passé? Je n'oublierai jamais ce terrible jour de janvier 2009. Je me souviens même de l'heure exacte, 18h11. Mon bus est stationné au terminus de la ligne 82 à Trazegni. Je termine de compter la caisse. Un homme coiffé d'une casquette est avec une écharpe sur le visage, monte à bord pour me demander des renseignements. En fait, c'est une diversion. Car j'ai à peine fini de lui répondre que deux autres individus cagoulés entrent. L'un fait le guet, l'autre braque son pistolet sur ma tempe en hurlant « Donne-moi la caisse, fils de... » Ma première réaction est de demander « C'est une blague ? J'aurais mieux fait de me taire car un violent coup de crosse m'a fracassé le crâne. » Le sang gicle, je m'empresse alors de leur remettre la recette. À peine 100 euros, l'individu veut ensuite mon portefeuille. Je lui réponds que je ne l'ai pas. Il me frappe une deuxième fois. Je ne sais pas comment j'ai encore la force de lui tendre mon agenda dans lequel sont glissés 50 euros. J'ai encore dû donner mon GSM avant qu'il prenne la fuite. En état de choc, dégoulinant de sang, sans GSM, je suis possibilité d'appeler de l'aide. Car à cette époque, le terminus de Trazegni était hors couverture de radio. Après ce drame, les chauffeurs du tech sont traumatisés. Et voilà le bilan de The Voice Belgique qui sont les véritables gagnants. Si le vainqueur remportera une voiture et un contrat d'artiste chez Sony, il n'est pas le seul à attirer des avantages de cette aventure télévisée. Il n'y a pas de blague pour ce mois-ci. Le mois prochain, il y aura plein de blagues, mais ce mois-ci, il n'y a pas de blague. Voici alors tout de suite la météo. Bonne Sainte à tous les Maximes. Aujourd'hui, samedi 14, il y a de la pluie. Il fait minimum 3 degrés et maximum 12 degrés. Pour dimanche 15, il y a du soleil avec des nuages, minimum 2 degrés, maximum 11 degrés, ça sera la Sainte Paterne. Pour lundi 16, il y a du soleil avec des nuages, minimum 0 degrés et maximum 8 degrés, ça sera la Sainte Benoît Joseph. Pour mardi 17, il y a du soleil avec de la pluie, minimum 0 degré et maximum 9 degrés, ça sera la Sainte Anisée. Mercredi 18, il y a de la pluie, il fait minimum 4 degrés, maximum 9 degrés, ça sera la Sainte Parfait. On termine pour jeudi 19. Jeudi 19, il y a de la pluie. Il fait minimum 5 degrés et maximum 11 degrés. Ce sera la Sainte Emma. Voilà, la météo est finie. Voilà, la météo est finie. Pas terrible temps. Ce journal aussi est fini. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Demain, nous serons le dimanche 15 avril 2012. Passez une excellente journée ou une bonne soirée. À demain.